C'est parce que la question de la vie chère est transversale et n'est pas seulement à la charge du ministère de la Consommation et de la Lutte contre la vie chère que René Ndemezo-Obion a convié ses collègues membres du gouvernement concernés par ce dossier en vue de proposer des solutions concrètes qui pourront impacter positivement et immédiatement les consommateurs gabonais. Le Premier ministre a mis la lutte contre la vie chère au cœur des préoccupations du gouvernement à la demande du président de la République, chef de l'État. La réunion de ce jour rassemblait les ministères concernés par ce dossier. Et ils sont donc tous venus. Nous avons fait un état des lieux, c'est-à-dire que là où on en est dans l'exécution de la politique de la lutte contre la vie chère. Pour parvenir à coordonner et mettre en place des actions efficaces et palpables sur le terrain, les membres du gouvernement ont passé en revue tous les textes sectoriels existants, les avancées déjà obtenues et les difficultés rencontrées afin d'harmoniser ensemble les méthodes collectives. D'énumérer un certain nombre de mesures immédiates, concrètes, qui sont de nature à impacter le panier de la ménagère et à aider vraiment à la réduction de la vie chère. Cette rencontre a permis aussi aux membres du gouvernement de se pencher sur l'organisation prochaine des assises sur la lutte contre la vie chère, comme annoncé par le Premier ministre chef du gouvernement, Alain-Claude Bilibizé. Et nous allons aller très vite, puisque d'ici une quinzaine de jours ou un mois au maximum, le Premier ministre va tenir les assises sur la vie chère. Donc la réunion de ce matin portait précisément sur la préparation de ces assises sur la vie chère. Cette séance de travail devrait donc permettre un coup d'accélérateur à la résolution de l'épineux problème de la vie chère dont l'équipe gouvernementale actuelle souhaite apporter de véritables oufs de soulagement aux populations gabonaises.